Ouais, salut les gars, comment ça va? Bon, encore une autre vidéo aujourd'hui, décidément ça s'arrête pas. Donc maintenant on va faire la vidéo pour avoir l'ornement du Galorn gratuit. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je le trouve ultra stylé en noir gris comme ça. Bon, alors l'ornement du Galorn, on l'a via les triomphes en fait du nouveau donjon, l'étreinte de l'avarice. Si vous le cherchez, il est tout à droite dans les triomphes, en bas à droite. Il s'appelle le mort-vivant le plus riche. Et en fait, ça consiste à récupérer les messages de Willem 7 qui sont dispersés partout dans le donjon. Et il y en a 12 au total. Allez les gars, je vais vous montrer tout ça. A tout de suite. A few moments later. Du coup, les messages 1 et 2 se retrouvent juste après l'ouverture du donjon. Il suffit juste de suivre le gameplay, il n'y a rien de compliqué. Ordinateur. C'est la fin du jour 6 et... Le message numéro 5, les gars, il se situe à l'étape des leviers en fait. Il se retrouve dans la salle au fond à gauche. Le sixième message, les gars, il se retrouve juste avant la salle du premier vrai boss. J'ai mis ce chemin-là parce que comme ça, au moins, vous ne serez pas perdu et vous arriverez à vous retrouver. Le septième message, il se retrouve juste après avoir combattu le boss. Dans un cylindre. Les messages 8 et 9, les gars, ils se situent juste après la fin de l'étape des passereaux. Sol et on va récupérer une nouvelle grotte encore plus remplie.
cherchais. Tu m'entends? Où tu t'es fourré? Jour 38. Et je me suis... Les messages d'IC11, ils se retrouvent tous les deux dans la salle des serviteurs. Et enfin, le message final, il se retrouve à l'endroit où vous tuez le boss final du donjon. Rien de compliqué. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, les gars. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Ça me motiverait pour faire d'autres vidéos. Et sur ce, je vous dis à très bientôt, les gars. Allez, salut.